Et salut les Volibambi, bienvenue sur l'épisode de Kingdom Hearts, soit du moins de Ratatouille 3, en compagnie des Bambis en live évidemment. Donc, j'ai fait une petite boulette sur l'épisode précédent, parce qu'heureusement qu'il y a Maxou et Mestin Choco avec moi, parce que voilà, il sait les trucs en noir, du coup qu'on peut craft. Je sais pas comment je vais pour louper ça la première fois, je pense que c'est tous les points d'exclamation qui m'ont embrouillé de ouf. Donc, on va se faire un petit potage, voilà. Juste pour voir à quoi ça ressemble, si c'est juste pour... Ah mais du coup on peut crafter plusieurs. On va faire qu'un seul, on va pas abuser. Pour voir si c'est un mini-jeu ou... Ouais c'est ça, ok. Émincer des ingrédients. Inclinez rapidement L pour émincer. Une fois que vous avez fini avec un ingrédient, inclinez pour prendre le suivant. Le temps pour cuisiner est limité, alors celui de s'habille. Oh putain de merde. C'est trop... Par contre, j'avoue, c'est pas mal. Ils ont fait une bonne idée, quoi. Hein? Hein? Oh, c'est tout? Voilà, deux oignons. C'est un potager. C'est un potager à l'oignon. Reçu, consommé plus fois 1. D'accord. Ah, c'est tout. Bah, oh, écoutez, on va faire tous les plats. C'est pas un mini-jeu comme ça. Mais ça fait quoi en fait? Consommer. Ah, d'accord, c'est le nom du truc, ok. Potage qui augmente tempérament les HP MP max de toute l'équipe. Ok, cool. D'accord. Et vu que j'ai bien fait en fait, je suppose. Je pense que j'ai un bon truc. Ok, bah écoutez, on va tous le faire, ça doit être assez rapide. L'épisode spécial cuisine, bah écoutez, pourquoi pas. Mais TV, faut sauver le monde, the fuck that. Alterner entre les poivres, juste au moment où le cercle se ferme pour miner le poivre. Ok. Oula, attends, R du coup. Ah. Ah merde, mais faut faire quoi? Quel boulet. Ah mais du coup on perd les ingrédients, c'est ça en fait. Putain, du caviar et tout. Mais ça, fallait que j'appuie sur bas. Ouais. Bah c'est bizarre, mais oui, mais... Ouais, c'est bien ça. Peut-être j'ai voulu attendre vraiment à la dernière nanoseconde. Je me suis viandé, bon c'est bizarre. Une seule manière, oh nom nom nom. Et bah pourquoi pas. Pikachu pépette. Pika... Une viande, nom 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 nom. Ah par contre je sais pas c'est comment c'est de ce plat, c'est pour en craft plusieurs je suppose. Ou c'est genre on claque un maximum d'ingrédients pour avoir une putain de bouffe. Je pense que c'est pour en crafter plusieurs. Flambe les ingrédients à la perfection, effectuer des cercles avec elle pour verser, sachant qu'il en faut juste la bonne quantité. Ouais. Le secret de ma cuisine c'est mieux genre ce que vous... Oh, c'est compliqué. C'est compliqué de cuisiner. Bien, excellent. Ouais, d'accord, ok. Attendez, c'est quoi? Effectuer des cercles. Incliné. Ouais, what the fuck. Oh, c'est tout quoi. Ouais, pour l'instant c'est un peu, voilà, c'est juste que tu fais un truc et rock'n'roll. Mais après je pense que tu dois faire peut-être plusieurs trucs à la fois, des books bien compliqués, j'espère que ce sera le cas. Parce que franchement il y a de l'idée, il peut faire des trucs rigolos. Imaginez faire un mix des 4 à la suite. Tiens, faut se souvenir, faut faire ça, comme ça, comme ça. Ça peut être drôle. Bah écoute. Casser un œuf. Voilà, pour un gâteau tu fais juste un œuf. D'accord, une fois que je l'ai fait casser, appuie sur... En même temps pour le faire tomber dans le bol. Ok. Oh merde. Ouais. Ouais, c'est ça, je suis allé un peu boire là. Allez, commencez. Par contre, c'est dans les trains. Attends, faut aller tout doucement en fait. Hein? Merde, mais non, putain, j'ai vu le timer. Ah mais putain, ouais, c'est vraiment que je trouve le truc. Là je suis baisé je crois là. Ah non, je suis plus en fer. Bah tant pis, excusez-moi pour ce fail. Ouais mais doser le truc, vous êtes marrant vous, il y a 36 000 façons de doser. C'est pas grave, tant pis. Les ingrédients c'est chocolat citron et beurre. Et le mini-jeu c'est casser un œuf. Bah oui bah écoute, après tu mets le chocolat citron et beurre dessus. Écoute, fuck that. Seule manière du caviar, ça fait très riche. Bah écoute, c'est la base, Master Chocobo, c'est la base. Attends.
Om nom nom, je veux dire om nom nom. Bon. Qu'est-ce que c'est, un petit con? Hein? Oui, c'est bon, bah oui, hein. D'accord, le gamin qui prend du vin, non, je pense que c'est. Bon, du coup, on se casse de là. Ah, attendez. Ah, excusez-moi, monsieur le train. Ah, le tram. Est-ce qu'il n'y a pas un symbole ici? Comme dirait Max ou Saint Chocobo, mais là, apparemment, il n'y en a pas. Hein. Ok. Bah, du coup, faut se barrer. Il faut se barrer, les bambis. Je pense qu'on a fait le tour dans la ville. Et on va donc se diriger vers le prochain monde des dieux. Mais avant ça, nous allons I'm sorry I left à la without chasse au saying trésor. goodbye. Did Master Yensid tell you? I'm training to become a Keyblade wielder like you. Ça, c'est Kairi, ça. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can Carrément. take as long as we need to complete C'est our Bleach. training. C'est comme He's dans an Bleach. amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but he won't stop apologizing. I'll admit I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. Ah mais c'est bon de venir All le he son ça wanted non? was to help his friend. Tu vas. Honestly, it's hard not to like him. Ou Every c'est juste now un and monde then, random. I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, T'es bonne. I'm not sure. I think I'm forgetting something. Mais. I don't know what. Ah, c'était celle faire appeler Sora, I Action. think it may have something to do with you. Roxas. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before, and some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy, but I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. Voilà. What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. A letter? Yep. To Sora? Technically, yes. But I won't send it. It's more for me. Ask Merlin. He'll deliver it for you. Yeah, but it's okay. I just like talking to Sora, even if it's on paper. Oh, okay. C'est quoi cette folle? La tête d'Axel, tu sais. Here. Ah. Ice cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. Axel, le délivreur de glace, We did both depuis 1982. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. Nah. What? Nothing. I just. You're trying to remember what you forgot? Well, I, yeah. Yeah. C'est Axel manger des glaces avec Roxas et Exion, donc les personnages qui ressemblent beaucoup à Sora et Kairi. Donc là, il a des PTSD, Axel. Don't hold back, Lee. Promise? Ah voilà. Oh, flashback. Oh, bah, carrément quoi. Huh? Are you okay, Lee? Yeah, sorry. You're crying. What's wrong? Something in my eyes. Excuse. Lee.
I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it? Memorized? Yeah. Okay, Axel. Ah si, mais ce lit, moi ça me perturbe quoi. Et il met sa glace, il a pas mangé sa glace. Quand même classe Axel, hein, putain. Carrie, je sais pas, le visage de Carrie est un peu bizarre. Bon. La résistance de Poudlard. Alors on est loin de ça, je pense. Hein. Là c'est quoi, c'est... Carrie, Mickey, pas Xaldine, mais bon. Oula. So this is the place. Where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how exactly? She sensed darkness in him. And they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Xehanort's heart took his master's name, Ansem, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Xemnas, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xehanort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. Oh là là, d'accord, okay. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is, we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam? When Master Xehanort made his grand return? That's the Xehanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Ansem and Xemnas, his heartless, and his nobody? Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xehanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned? It wasn't just some stranger that Ansem the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Xehanort possessed. No way! That was Terra? Master Xehanort was using Terra? Yep. Master Xehanort told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out, Aqua saved more than just her friend that day. Okay, but Master Xehanort is an old man again now. Where did Terra's body go? It's because Master Xehanort's collecting vessels. He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xehanort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yep, and Merlin too. Yeah. C'est pas pour ça, Max, c'est pas pour ça. Le mindfuck temporel. Mais d'accord, ça résout le problème, ça j'ai pas ça. Bienvenue sur la carte du monde. Ok, d'accord. Ah, ça m'intéresse, ah oui.
ça m'intéresse. Ah, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va visiter le bistrot. Allez, on va au bistrot, soit avec un Donald bourré, quoi. Ok, non, c'est pas mal. La boutique Gumi's a été débrouillée, ok. Ah, éditer le Gumi's, ça m'intéresse. Est-ce qu'on fait ça? Je pense pour les dernières minutes de l'épisode, on va éditer le Gumi pour voir un peu à quoi ça ressemble. Puis en off, je me souviens faire d'autres vaisseaux. Alors par contre, j'ai ressenti un truc en décollage. Mais c'est pas la carte du monde, ça c'est pas possible. C'est. Si? On voit les trésors, mais c'est ça? Alors attendez. Cité du crépuscule. Royaume de Corona. Ah ben ça c'est réponse. Ah. J'oublie que ça s'appelait Corona. Et ça c'est quoi là-bas? Coffre à jouer. Bah ça c'est Toy Story. Ah du coup on fait quoi? Réponse au Toy Story. Les deux m'intéressent. Je pense Toy Story là, je pense que ça peut être pas mal pour le prochain monde. Bah après je sais pas, il y a une condition de niveau ou... De toute façon on peut pas aller là-bas en fait, faut s'y rendre à pied. J'ai un peu de mal avec l'interface, excusez-moi. C'est ça en fait. Non mais... Non. D'accord, ok. Niveau de combat ici, je suis con, 12. Vas-y, du coup, c'est Toy Story le suivant. J'ai pas vu, excusez-moi, je suis bourré. Mais avant ça, nous allons à l'éditeur Gumi. Oh oui! Je veux savoir s'ils ont augmenté la taille du vaisseau de ça. Non, mais c'est Max, c'est vrai que je comprenais pas pourquoi. Pourquoi en 7 ça sont revenus en fait. Je trouvais ça bizarre si on les avait défoncés dans le 2. Et du coup, en fait, il a même fuck le temps. Voilà, c'est une explication à la con, mais ça me va. Alors. On cherche un nouveau vaisseau. Ah, c'est petit. C'est un peu petit, mais on va essayer de faire un petit X-Wing, voilà, un petit truc rigolo. Je sens que Max va être en PLS. Alors, on a des blocs basiques. On peut pas les décorer. C'est justement pour les décorer, il faut avoir un truc spécial, mais... Ah, attendez. Décorer un vaisseau. Ah, c'est Alicas quand même l'image, là. Peut-être c'est un autre menu de décoration, c'est ça? Oh, décorer, d'accord, ok. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a comme bug d'armement? On a pas mal de choses. Coup. D'accord, vous voyez que le coup en haut à droite c'est 614. Donc là par exemple, ce bloc demande 110. Faut faire attention. Bah écoutez, un X-Wing, c'est 4 canons donc. Ah par contre, alors là attention, vous allez voir le skill du DV. Le milieu c'est où? Y'a pas de milieu, c'est ça? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y'a pas de milieu, super. Non, gauche, face. Voilà, ça c'est centré, ça c'est le centre, ok. Un peu loin, bon. Non, c'est pas mal, là, je pense que j'ai une bonne forme, là. On fait ça. L'épisode spécial construction, mais moi j'adore faire les Gumi, moi, je kiffe trop. Je kiffais trop faire ça avec Kingdom Hearts. Attendez, tac. On va faire un truc à l'arrache, on n'est pas passé 2 heures, excusez-moi. On va faire un petit nez. Ah, le nez du vaisseau. T'as 1000 emplacements de blocs déjà. Comment ça 1000 emplacements? Où est-ce que tu vois ça? Bah moi je vois qu'on est surtout limité à 614. Ah oui, tu as 1000 emplacements, oui d'accord, par rapport au cube, oui. C'est vrai qu'on peut faire un gros carré dégueulasse. Mais comme je te dis Max, en haut à droite on est limité à 614. Donc on peut mettre que... Voilà, on est très limité. Mais après plus tard on peut augmenter à la taille de ça. Si c'est comme avant. Bloc de mobilité, bah il faut mettre les réacteurs. Ah mais on a que 2 réacteurs. Ah! C'est très relou. Attendez, comment ça s'appelle réacteur? Merde, sauvegarder. Merde, oui, ok, attendez. On peut mettre des stickers du coup? J'en ai pas. Bloc oxy, alors déjà, attendez, on va mettre le cockpit, voilà. On va le mettre. Tac. Attendez, c'est trop haut, ça me plaît pas. On va le mettre là. Voilà, nickel. Non, c'est le plus chiant, ça va être faire les ailes. Les ailes. Alors, il n'y a pas une histoire où on pouvait faire un peu la Minecraft. attendez. Hein? Ah, c'est regardez, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est pas trop mal comme ça. Après, ouais, le X-Wing, c'est quelle couleur? C'est blanc et rouge, c'est ça? On s'amuse bien. Non. Peut-être je pense que je suis une ellipse. Enfin je sais pas. Peut-être l'ellipse c'est pas une construction, je vais pas la faire en ellipse. Non mais c'est chier là, c'est ça.
Je le fais trop. Non, 3 c'est gros quand même. Ça décale. Bah, c'est pas une question de décaler en fait, c'est que. Enfin... Je sais que c'est décalé, mais attendez. Parce que si on fait ça, mais j'ai passé le bloc en fait, c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Merde, merde. Merde, j'ai cassé le truc, lol. Tout va bien, tout va bien. Mais du coup, ouais, ça. Ouais, non, c'est trop gros, c'est trop moche, je sais pas. Non, faut que je monte l'aile. Je pense que ça va faire bizarre, mais bon. Tac, tac, tac. Attendez, du coup, on a dit c'était là. Ah, dites-moi si symétrique et bambus, là j'ai des doutes. De toute façon, c'est un vaisseau de merde, mais bon, écoutez. Tic-tac-tac. Bon, là on reconnaît bien le X. Sois-moi désolé, je vais faire que des vaisseaux liés à Star Wars, je suis navré. Mais bon, voilà. J'ai grandi avec Star Wars. Je mange du Star Wars. Je dors avec Star Wars. Voilà. Par contre, le problème, c'est de mettre le canon. Mais putain, moi, c'est dégueulasse. Bon, pour l'instant, il est pas trop mal là, la forme du vaisseau là. Ça ressemble un peu à un X-Wing. Mais bon, le problème, c'est de mettre des canons. Ça va être une chiasse. Ouais. Maintenant qu'il y a que les canons, moi j'avoue, ça va faire trop chou ça. Bon, quand ça bat de couleur, ça dépend de l'unité dans laquelle ils sont déployés et de leur propriétaire. C'est ça, oui. Star Wars c'est Disney, c'est legit. Oui j'avoue, excellent Max, excellent. C'est vrai que maintenant c'est Disney. Putain. Chez moi à l'époque c'était pas Disney quoi. Non alors par contre c'est quoi ça? Effectue un tir puissant droit devant vous. C'est fat ça hein. J'aimerais bien le mettre mais ça va être compliqué je pense. Ah, attendez, ah quoique. Oh. Dieu c'est dégueulasse. LOL MDR. Ah mais non on peut pas... Ah oui c'est 4 ah. Et ça c'est 1 ça par contre, c'est ça. Après tu vois les canons je peux le mettre comme ça mais ça c'est bizarre. Ah non mais je suis con, attendez, un X-Wing c'est pas comme ça. Vas-y c'est comme ça mais attendez. Les canons c'est pas comme ça. Alors par contre, parce que vous savez il y a des espèces de trucs super fins là mais je pense pas le faire ça. Ouais des trucs comme ça, des cylindres mais c'est moche quoi. LOL MDR. Parce que techniquement c'est un truc comme ça quoi. Attendez on va faire un test. Merde, j'ai mal placé lui, j'ai mal placé. En fait, pas, je suis un professionnel. Non, mais putain, j'ai vraiment du mal avec. Là, je suis sur le bon truc. Dans le chat, ça va s'offusquer, mais attendez, laissez-moi vous proposer mon idée. 2 secondes, hein. Tu vous faites ça. Vous mettez un petit bloc pour relier ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Si je mets un truc comme ça, c'est bien ça ou pas? Oui, c'est moche. Oh, c'est pas terrible, hein, peut-être pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre les bambis comme bloc? Un truc pour faire de la liaison. Mais un bloc pareil, non, ouais, c'est ça, ouais. Tu penses carré? Tu vois, ça sort un peu trop mal, Max. Mais après, tu vois, il y a plein de formes bizarres, donc. Après, le X, on peut le mettre, on peut faire V2, V3, etc. Bloc arrondi, putain, un bloc arrondi, je pense, c'est pas trop mal, mais j'arrive pas trop à savoir. Ouais. Je vous en pensais. Alors. Bah, dans mon montage, j'aimerais bien mettre les brasiers plus. Mais. Par contre, c'est où pour charger les coups? Ah, voilà, c'est les foudres. Ah, oui, c'est ça, les foudres. Ça, les foudres. Bon, le vaisseau est un peu petit, malheureusement. Bon, déjà, on va faire un truc comme ça. Bon, c'est un peu laid. C'est un peu Fox the Police, hein, écoutez. Hein. Voilà, comme ça. C'est un peu con, mais bon, écoutez. Hein. C'est la vie, hein. On va les retourner, voilà. Oh le lol. Voilà. Bon, c'est un poids, ça. Ouais c'est pas ça Max, il m'a même fait une belle ogive mais bon le problème c'est que je connais pas trop les blocs. Je vais genre ça en 9 ou peut-être tout à l'heure quand on se fera chier. Oh. Lors d'une poussée d'accélération. Ah d'accord ok intéressant. Par contre les foudres vraiment je les cale. Les foudres on va dire c'est les torpilles à protons.
Alors, est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Ouais, je pense qu'il y a... Bah non, moi je pense que ça va pas très bien partir. Se mettre ça devant, ça va être compliqué, quoi. Ah, sinon, après, ce qu'on peut faire... C'est mettre ça là. Je sais pas. Hein? Ah non, d'accord, ok, parce que c'est pas dans le menu. On peut tester le vaisseau ou pas, je pense. Bah, c'est un peu con ici, quoi. Bah, moi, ce que je ferais... Il y a des petites astuces. C'est de mettre l'arme ici. Bon, le problème, c'est que ça fait un trou, quoi. Ça qui est dommage, bon. Écoutez, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, c'est un peu con, quoi. C'est tellement moche. C'est dommage. Mais après, attendez, peut-être que... Ah oui, c'est vrai, faut mettre ça, merde. Sur notre vaisseau, il aura une mobilité du cul. Allez, on peut plus faire comme avant. Ah! C'est dommage qu'on puisse pas planquer des trucs dedans quand même. Hein. Attendez, à moins que... Oh! On peut les planquer dedans! Oh! C'est trop bien! On peut planquer les canons dans les blocs, oh oui! Je suis Luxwing. Et ben, welcome, Thierry de VOD. Enfin, VOD. Merci à toi, Ambrose. Au moins, t'as reconnu, c'est bien. C'est... Mais bon, je sais pas, je trouve un peu dégueu. Le problème, c'est les canons en fait. Bah écoutez, on va faire. Ah, attendez. Oh, trop bien. Mais attendez, si on fait un cylindre. Trop bien, c'est trop bien. Bon, le problème, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, mais après, le bout, normalement, ça fait une espèce de parabole en fait. Attendez, ouais, c'est comme ça normalement. Regardez. Tac, tac, tac. Et ça. Voilà, c'est un peu gros comme ça, mais le problème c'est trop gros quoi, c'est ça le problème. Y'a pas la même chose, voilà par exemple c'est ça, voilà. Un peu plus bas, voilà. C'est comme ça. Normalement c'est comme ça quoi. Je vous en pensais les bambis, mais... Attendez, on va le faire partout, puis vous validerez. Hein. Tic tac tac. De toute façon, le vaisseau principal, je vous dis, dans les vaisseaux que je jouais, c'est un croiseur impérial, un truc du genre, un truc monstrueux. Oh oui. C'est pas trop mal là, c'est pas mal, c'est assez dissimulé, c'est cool. C'est. Que nous là dans le jeu. Ah bah je commence, je commence le troisième monde. Donc qui sera Toy Story, voilà. Je commence à peine. Ah oui, par contre, il manque les réacteurs, c'est ça, on a pas assez de réacteurs. Est-ce qu'on a assez de blocs? Je pense oui, ce réacteur ça coûte pas assez cher, voilà c'est 24. Par contre le gros problème c'est que là on n'a pas d'aile en fait. C'est ça le problème. Donc là il faudra 4 réacteurs. On n'a pas assez. Alors on met une hélice. ok. Après c'est vrai, en bloc auxiliaire, il y a plein de conneries, je crois. Regardez mais c'est ça, il y a des radars et tout, putain de merde. Alors c'est vrai, attendez, il me semble que R2-D2, ouais, il est derrière en fait. Donc techniquement... Voilà, faut faire un truc un peu en arrière comme ça, sauf que le problème c'est que maintenant les réacteurs ils sont décalés. Voilà. Et techniquement le radar, ouais attendez, si le radar je peux mettre comme ça, ça trop fat. Permet de voir les HP. C'est trop bien. Bon, c'est peut-être un peu moche comme ça, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, comme ça, voilà, parfait, regarde. Putain. Docteur Octopus qui a X-Wing. Oui, c'est vrai. Ouais, vite fait quoi. Ouais, non, mais avouez, mon X-Wing il est pas mal, mon X-Wing. C'est un peu un X-Wing. Non, vous trouvez pas? Qu'est-ce qui me manque? Oui, du coup, 161, bon, ça va. On a des compétences, mais je pense que je n'en ai pas encore débloqué. Ah, si, attendez, nice. Ah, oui, bien. Alors, plus d'HP. Ouais. Alors, canon plus, laser pas trop, soin plus. Soin plus, ça peut être pas mal. Et plus d'HP, voilà. On va se contenter de ça. Oui, du coup, alors par contre, alors pour ça... Alors là, je suis désolé, ça va pas faire du tout X-Wing. Mais là, j'ai pas le choix.
S'il faut mettre des trucs comme ça, voilà. Comment on fait déjà? C'est quoi cette merde? Tac. Voilà. Ah oui, d'accord, ça, après tu repositionnes. Donc on va faire un truc comme ça, voilà. Hein? Ok. Ah, ta face c'est un peu bizarre, attendez, j'essaie de m'habituer. Je comprends ce qu'il essaie de me faire, mais... Ok. Mais dans le bon sens. Non, pas comme ça. Voilà. Tac. Tac. Bon, ça fait un, voilà, un petit truc rigolo, quoi. Mais... Ah mais on voit les stats, hein, mais du coup, attends, je suis con. Frappe, bon, ok, mobilité, il est zéro mobilité le machin, merde. Puissance, je sais pas ce que c'est. Oh shit, c'est quoi la mobilité? C'est pas ça? Mobilité 0. La mobilité c'est quoi? C'est ça existe ça? Je peux le faire? La mobilité, bah si. Non mais j'en ai pas encore la mobilité je pense, ouais ok. Non c'est pas important. Le voltage par contre je pense du coup ouais, c'est pour les mouvements et action, c'est assez léger. C'est ça qui m'embête. Voltage 6, c'est pas mal ça. C'est quoi ces trucs? Est-ce qu'on peut les planquer? Ah attends, ça ah, c'était sympa de faire un truc comme ça. Oui, on peut les planquer à l'intérieur, attendez. Est-ce qu'on gruge? Oui. Ah non, merde! Ah non, ça vire les blocs! Ah non, non, je veux pas! Non, c'est bon, ça les a virés. J'ai l'impression. Oui, ça les a virés. Ok. Alors, problème, attendez, on peut pas mettre taille 3, un truc bien plus grand. Oh, attendez, j'ai envie de dire les bambis. Parce que c'est trop gros ça. On va mettre ceux-là. Ah! Au secours! Ah merde, ah merde, putain, j'ai dépassé. Ah non! Ouais, non, en plus, j'ai les réacteurs de mec derrière. Oh merde. Mais non, il était trop bien mon vaisseau là. Oh, faut que je mette de la merde. Ou sinon, on vire un foudre. Ouais, on va faire ça, c'est quoi? Merde. Ouais. Bah écoutez, les bambis, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter l'épisode maintenant. Parce que là, je vais me faire quelques minutes de plus. J'ai peur que l'épisode dure trop longtemps, vous en faites pas. Je retrouve juste après, sur le prochain épisode, dès que mon X-Wing est terminé. Voilà, on va essayer de terminer ça en off avec mes bambis. Ça va prendre quelques minutes. Et du coup, je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite du coup une bonne journée. Et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.